Je n'ai pas regardé sur l'écran là, nous aux États-Unis et en Haïti. Moi quitté l'État New York, m'pas New Jersey, là moi traversé dans Missouri. M'profite saluer My Mary Resto qui dans Missouri, dans Saint-Louis. M'saluer Marie Magdala Saint-Louis Jeune, ainsi que sa sœur et toute la famille. Image qui sous écran, monsieur c'est, monsieur qui n'a mis tant à costume, non? N'a mis tant. Monsieur c'est yon député en fonction qui nan bloc républicain et qui c'est un supporter Donald Trump. D'ailleurs, il a endossé candidature Donald Trump. Et nous prenons une image côté que lui-même avec Donald Trump, yon ensemble. Et forme tout dissocieté à Zak sa qui rive hier soir. Au commencement, m'te dit son bail qui rive par erreur et puis gen moun ki mal comprend même pral expliquer ça m'le dit. Et m'pensais que ça son bagage gon message qui voyait bay tout moun net en Haïti et même à l'étranger. Parce que j'en t'ai écrit sous poste moi. Sous page moi dans une publication. Dans dimension criminelle yo fragile je dis hein. Criminel yo pa konnen ni race ni classe ni couleur peau. Gen un seul groupe moun bandi sa ou plus ou moins accepté pour l'instant. C'est fournisseur yo, c'est moun k'ap fourni aux amak bal yo. Après ça personne pa épanier devant bandi sa yo. Monsieur ça qui dans mi-temps monsieur relé Ben Baker. Ben Baker, monsieur son député républicain dans Missouri. Qui donc monsieur c'est un parlementaire en fonction s'il vous plaît. Mais là m'a regardé page monsieur et puis en pile bagaille que yo posté. Monsieur fait souvent référence à la Bible. Ça veut dire que moun sa yo c'est chrétien yo yé. Et c'est sur cette base gagné petite fille que nous allons regarder là ensemble. Remarquez là monsieur avec Donald Trump que il était endossé pour vin président de la République à son premier mandat. Ben Baker qui endossé candidature Donald Trump pour président. Et après yon nan moun ki parle sou dossier rapide, c'est Donald Trump qui lui-même te déjà gen mot parle gen façon le Haïti. Donald Trump dit que Haïti son pays qui sans contrôle. Il mande fò gòn réponse ki pote rapide dans l'immédiat. Et m'kwè monsieur a tout pran ça pour tacler administration Biden nan. Et Biden prouve que, normalement, comment passivité vers Haïti, eh bien, il y a une grosse conséquence. Parce que Haïti va ka là, nan bab États-Unis, pour Biden a dirigé là, pour gen tout crime ça ou nan pays. Et n'a vin sous ça. Eh bien, Ben Baker, qui là avec Donald Trump, monsieur son parlementaire en fonction, mais monsieur là, Ben Baker, étonnamment, même on sa haute sous écran, qui c'est Nathalie, qui c'est petite Ben Baker, Nathalie, et puis Devi, qui c'est Marie Nathalie, qui donc qui c'est beau-fils Ben Baker, et Devi qui là qui c'est beau fils Ben Baker, c'est papal qui gagne orphelina en Haïti dans l'ison. Ça fait quelque temps
moun sa yo nan mission et gon paquet ti moun nan zone nan, c'est grâce à Ofelina sa qui apprend yo li ak écrit. Et bien tous les deux jeunes n'ap gade sou écran hier après-midi. Écoutez. Na yo rentré la kay moun sa yo. Après au fin volant tout ça ou gen besoin. Yo touye yo. Genye Ben Baker qui c'est papa Nathalie, qui c'est papa yo. Monsieur t'a pral annoncer nouvelle là côté le 10 sur page Facebook li. It hurts my heart so bad to even say this, but we have confirmation from the U.S. Embassy. Ça, c'est le message, monsieur Pralé, écrit à l'heure, quand il dit que ça fait tellement mal dans le cœur pour me dire non. Mais nous avons confirmation, ambassade là, dans le pays d'Haïti, eh ben, il y a joint quoi yo, même bral vin sou ça avant. Et bral banon ti explication tout. Mais bien avant, monsieur bay message ça tout à l'heure. Premier message monsieur bral recevoir. Monsieur bral dit que cœur brisé en mille morceaux. Monsieur dit le poko jam senti. Jean de douleur ça. Monsieur dit en pile nan nous connaît déjà petite fille ak beau fils moi qui c'est Nathalie ak Devi Lloyd. Yo c'est missionnaire à plein temps en Haïti. Yo attaqué yo nèg ak zam attaqué yo hier soir et yo tous les deux assassinés. Il s'affaire d'où son famille chrétienne. Monsieur dit, ça que me connaît, c'est que vous allez dans le paradis ensemble. Monsieur dit, s'il vous plaît, priez pour famille. Monsieur dit, nous besoin en pile force. Parce que nous vivons un moment extrêmement difficile. Il dit, s'il vous plaît, priez également pour famille Lloyd, qui c'est famille Davy. Il dit que m'pa gen l'autre mot m'ka dit pour l'instant. C'est ça Ben Baker qui c'est papa yo te écrit sous page li. Maintenant, qui ça qui passé? Tendez la société. C'est Ben Baker qui l'a et ses familles. Ofelina ça qui situé dans l'ison depuis quelques années. Et gen en pile moun, tande oui, gen en pile moun, non akwentans nan, bon c'est ça lié, Nerlou, c'est ça lié, yo gen akwentans la, en pile moun ka fonctionne, c'est normal, parce que le en difficulté yo yore le mbral ban information. Maintenant, qui s'akrive? Ofelina sa, qui la depuis quelques temps ka fonctionne, dans zone Lison 39. Nèg yo rentré dans Ofelina ailleurs parce que c'est dans zone qui relait Titette dans Moléa, bon repos zone Lison etc. Gang yo rentré dans Ofelina. Qui c'est pour monsieur David, qui c'est papa Davy. Monsieur sont américains que nous ouais. Monsieur Guy Ofelina, selon information que nous joignons avant hier là, monsieur entré États-Unis, papa, et ailleurs malheureusement, petit David Black, madame, ni que n'a regardé sous écran, qu'on a fait hier ça, gros haïtien là, même moi, je n'ai pas mis haïtien, non. Il y a même des autres, une parole haïtienne, parce que Jude, il a, est-ce que l'image, moi, là,
tu es supposé là, ok, il y a un haïtien qui est victime, c'est trois moun nèg yo tué. Nèg yo tué deux américains ça yo, plus haïtien. Nèg yo bon des autres. Yo bon image là. Pas un problème. Ok. Maintenant, nèg yo rentré dans l'école là, yo volé tout ça yo capable, après ça yo tué moun yo. Qui ça qui passé? Selon premier élément information, c'est pas nèg Jeff yo qui t'a attaqué moun yo. Parce que chez méchant avec Jeff vinn font seul. Depuis les bagarres mouvement vivent ensemble. Mais t'assemblé gon groupe nèg sur route 9. Kèk nèg dans zone Pierre 6 qui t'assemblé au même pas rentrer dans question vivent ensemble là. Yo fait une série de coups parallèles et là on fait coup ça yo. C'est eux-mêmes qui gèrent tête yo. Selon premier élément information nous joignent, c'est nèg sa yo qui t'a sorti sous zone route 9 qui rentré dans Ophelina qui a volé tout ça yo capable. Yo frise moun yo bien que m'apprenne Devi t'a gen zam en dedans et c'est ça le pral cause monsieur mouri. Selon premier élément information que nous joignent à terre, bien que m'apprenne monsieur Genzam, mais dans première attaque là, yo frise yo et nèg yo vole tout ça au capable dedans yo pote aller. Nèg yo fin fait ça yo aller yo pas tirer moun. Tendez bien oui. M'dou selon premier élément information que nous joignent. Ça qu'arrivé gain évolution, gain l'autre bagaille qui dit. Mais m'abdou exactement ça nous joigne. Dans tes recherches que nous avons fait lorsque nous tendons drame dans le passé. Donc, premier groupe qui rentre, qui a attaqué Mounio, c'est voler ou vine voler. Yo frise Mounio, yo prend tout ça au capran, et puis, yo marche pour si yo. T'as semblé, pendant que yo finale, gen un moun qui fait partie de Ophelina, qui lui-même, et là on parle de acquaintance, Nerlou, qui lui-même, gen relation avec Jeff, li rele Jeff pour mander renfort parce que l'autre bandit envahit dans l'espace là. Attendez, au pays. Mabdou, selon premier élément information que moi recevoir. Gayon moun le action fin passé. Gayon moun qui fait partie de Ophelina qui rele Jeff qui mandé renfort parce que Lyon en danger, gon groupe nèg exam qui attaqué yo. Bon, baron de bruit ça, c'est pas chien méchant que le relé, mais c'est Jeff qui relé. Et de fait, selon ça, j'ai une comme information, Jeff ak équipe li, yo débarqué vrai dans Ophelina pour al konnen sa gagné parce que yo konnen nèg chien méchant va pral tirer sou moun yo pour al voler affaire yo. Yo dans vivre ensemble. Mais t'assemblé son équipe qui sorti sous zone route 9. Qui ont même pas dans vivre ensemble, qui attaquaient Mounio. Qu'on y a le fait que Moun qui contactait ou bien qui t'a contacté Jeff là, attendez la société, li pas communiqué avec Koupsa qui c'est Devi et Nathalie, pour te expliquer Devi et Nathalie que pendant qu'on a parlé là, nous relé Jeff pour porter un secours parce que nous en danger. Pour y a Jeff lui-même, il prend équipe, il descend pour aller porter renfort à Ophelina qui est en danger. Si elle descend, c'est parce que justement Ophelina qu'on négocie à Jeff comme si bon c'est généralement pour fonctionner dans zone ça yo, ou obligé de contact gros chef. C'est comme ça pays a fonctionné malheureusement. Qu'on y a cependant nèg yo nan route a vini, attendez la société. Cependant nèg yo nan route a vini Blanc lui-même, j'en dis en qui semblait gen tizam ni la kali pour défendre tête li. Le fait que moun ki te rele Jeff la pas communiqué avec elle. Le fait que moun ki rele Jeff la pas communiqué avec lui pendant équipe Jeff la a privé ba Ophelina, Devi descend en bas dans espace là. Monsieur prend zam ni. Li pense c'est même nèg yo qui vinn sou li
et sans hésiter monsieur tirer sur yo. Tenez bien, m'a parlé de selon premier élément information que nous joignons. Nan côté ba yo passé. Donc le fait que moun ki rele Jeff ki mande renfort, li pas communiquer avec Couplan. Pendant Jeff Kouni après équipe li a vinn pote renfort à Couplan avec Orphelina, et ce même moment ça Devi li même qui pensait c'est même nèg yo qui retourne vinn attaquer monsieur dit fois ça ça le fait m'a défendre tête moi. Et puis monsieur descend en bas la cali t'a semblé rien ti bali nan mel monsieur allé justement li t'a tiré ou me dit t'a parce que nous pas là que j'ai n'a regardé justement c'est information qu'a partagé le fait que monsieur t'a tiré qu'on y a sans réfléchir Jeff pensait lui-même c'est non coûte pas comprendre que yo prend et puis yo réagi yo vide balle sur moun yo. Bah yo triste en pile hein? Son pays difficile, très difficile, oui, très difficile. Alors m'a pensé ouais si m'ta mette image haïtien pour nous qui lui-même mouri tout dans drame ça. Tendez oui. Qui donc moun ki nan espace là qui relé eh ben qui relé Jeff vinn pote renfort là parce que bandi attaqué yo. Pendant équipe Jeff la privé et Devi lui-même qui semblait te ganti ba dans elle pour défendre tête li et monsieur sans hésiter li mette dans tête li c'est même groupe là qui vient attaquer. OK mais haïtien là dans image ça nous pral wè li. Li pense c'est même groupe là qui vient attaquer et malheureusement nèg yo riposté et yo vide balle sans hésiter sur moun yo. Et ça qui est grave dans l'histoire là. Ouais ça c'est Timoun qui dans Orphelina. Nous obligé barrer image yo. OK? Tout ça on a regardé là c'est image Timoun qui fait partie de Orphelina mais couplant qui c'est Nathalie qui c'est petite américain ça et parlementaire Ben Baker mais haïtien. Mais haïtien qui c'est Jude Bontis, c'est monsieur qui directeur qui responsable et ben Orphelina. Oui, c'est monsieur qui est responsable, alors que c'est lui comme haïtien qui est responsable, eh bien, nèg yo exécuté monsieur tout. Kounya, ça nèg yo fait. Immédiatement, yo fin touye moun yo, yo pren cadavre yo, yo mette du feu sou yo. Tande pays, mbral balak nou. Et c'est là mbral dit que Joe Biden en face responsabilité. Yo fin pran moun yo, yo tuye yo, yo mette du feu sou yo. Mais son du feu qui mette avec en pile précaution. Bon, bien dit ça, Abdoula. Mais yo mette du feu sou yo, mais son du feu qui mette avec en pile précaution. Et c'est ça, Mabdi, nèg yo. Tout criminel nèg yo criminel là. Attendez, tout criminel nèg yo criminel là c'est contre haïtien pareil yo plus. Malgré tout bagay. On pas ka passer vidéo pour nous parce que li gen pile violence. Même sur gen moun ki wèl et sou wè vidéo, peut-être ou pas wè ça m'pral expliquer là parce que moi me dis nous, l'aime garder une image, m'pas seulement garder le pour garder. Moi garder image là justement pour me chercher bagaille peut-être même ou pas ouais là-dedans. Remarquez dans vidéo côté au boulet moun yo. Haïtien presque fin boulet net. Ça dit premier ennemi à combattre là c'est haïtien. Suivez mon regard. Dans vidéo haïtien presque fin boulet net. Blanc li boulet on parti dans pied. Qui rivé bord derrière mais pas boulet net garçon. Fia, m'a même sûr que yo touche du tout lui-même. Et immédiatement, l'ambassade des États-Unis, selon les dires de Ben Baker, gintan gen contrôle cadavio. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Tes libertés, 27 750 km² de corruption.
Ici politicien respecté même yon bout de visa que la constitution. Nèg yo débarqué dans commissariat Bon Repos. Nèg yo assassiné inspecteur policier femme. Famille en fait toute gymnastique, toute prière gagné pour yo seulement récupérer cadavre là. Yo pas jamais fait ça. Et kounia, c'est kounia la guerre a déclaré tout bon. C'est kounia Jeff Canaran vivent ensemble 400 maozo chez méchant tout nèg yo qui gen zam nan cité soleil tout nèg yo net iso 5 secondes belè qui gen zam nan men yo c'est kounia la guerre déclaré et Joe Biden gen pour responsabilité pour le dire ça l'a dit là rapide. Attendez. Donc c'est trois moun ça on a regardé à ça c'est directeur Jude qui là. Négotuel, même monsieur m'ai impressionné madame Nick là, m'obligé barrer visage timoun yo. Même monsieur avec madame Nick là avec deux timoun qui ont un petit garçon, m'a dit gagne l'autre encore. Ou imaginez timoun ça comment on va vivre sans papa Gounia. Ou imaginez madame ça comment on va vivre sans mari Gounia. Nèg exam détruit la ville et ou pas ka peur d'il. Tout ça arrivé là, c'est l'irresponsabilité des États-Unis d'Amérique. Sous quoi menton, on retourne nos archives. Est-ce que nous songez en 2021, gang 400 Maozo kidnappé 17 missionnaires, dont 16 citoyens américains, parmi eux deux petits bébés. Est-ce que nous songez ça? Le ont été kidnappé missionnaire américain yo. Toute la presse dont était nous te croit que c'était dernier coup nèg yo t'a fait. Jusqu'à ce que au négocier yo libéré moun yo. Nèg yo vinn méchant pirède, bas yo grandi pirède, rien pas arrivé yo. Nous songez TV Mondoui, TV 5 mois, ben regardez-moi. Bonsoir Elisabeth Guedel, une quinzaine de missionnaires américains portés disparus, est-ce que l'affaire fait grand bruit aux États-Unis? Écoutez, les médias américains en parlent peu, en tout cas avec beaucoup de prudence, pour deux raisons. Tout d'abord, c'est très difficile pour les journalistes d'avoir les informations sur place, tant la situation est chaotique. Et puis parce que le département d'État américain est plutôt silencieux, très peu d'informations. Il a juste fait savoir que cette affaire d'enlèvement était en tête des priorités. En fait, l'administration Biden est en train de négocier ou va négocier avec les ravisseurs s'ils ont été identifiés. On sait que l'équipe de négociateurs du FBI est arrivée à Port-au-Prince. Peut-être qu'à terme, il faudra envoyer une mission d'élite pour effectuer la récupération des otages. Mission très délicate, donc on comprend pourquoi il y a très peu d'informations en provenance pour le moment du département d'État. Et puis, il faut rappeler que le gouvernement américain avait appelé les Américains au mois d'août à ne surtout pas aller à Haïti en raison justement de ces risques dans les ports. Entendez. De nombreux Haïtiens demandent aux États-Unis d'envoyer des troupes sur le terrain pour stabiliser la situation. Est-ce que l'administration Biden pourrait y être favorable? Pour le moment encore, beaucoup de prudence. On sait que depuis l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet, il y a eu ces voix de la part d'Haïtiens pour appeler à un renfort militaire de la part des États-Unis. On sait que l'administration américaine a envoyé quelques troupes, quelques équipes, en tout cas sur place, surtout depuis le dernier tremblement de terre. Cet enlèvement intervient au lendemain du vote à l'ONU pour reconduire la mission des casques bleus à Haïti, mais il y a toujours donc cet appel à envoyer un petit peu de renfort militaire américain. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a régulièrement des manifestations d'immigrés haïtiens, encore jeudi dernier à San Francisco, pour dénoncer justement l'inaction de l'administration Biden vis-à-vis de Haïti. Merci Elisabeth pour toutes ces précisions depuis les États-Unis. Merci infiniment. Depuis le SAR, on t'est pensé après le gain en solution. On t'est pensé justement. Zafè gang nan plein tap disparèt.
Tu as une mobilisation, pression qui fait, etc. Bateau sous la mer, il dit oui, l'armée américaine pour l'envahir pleine de pression, etc. Rien pas fait. Vite l'homme débarqué, caille deux citoyens américains. Monsieur tué personnage là, et il mettait du feu soleil. Petite, monsieur qui sont anciens, qui sont vétérans dans l'armée américaine, qui est obligé de descendre pour aller rapatrier le cadavre là. En y'a pas jamais fait. M'a gardé foi ça si les États-Unis, Donald Trump, dit Donald Trump, qui déjà lui-même frappé, m'a gardé si Joe Biden, pas dit rien sur ça. Ok? Écoutez, m'a gardé justement, est-ce que administration Biden n'a pas pral dit yon bagay sous ça. Président Kenya, monsieur Clay, contrairement à Leslie Voltaire, Voltaire d'Union Terre, contrairement à Leslie Voltaire nèg canson, nèg pantalon, nèg toile, président Kenya qui c'est William Ruto, monsieur Clay sous ça. Monsieur dit, bandit rete bandit, criminel rete criminel, criminel pas gen race, pas gen classe, pas gen rien. Moun sa yo, c'est rive sou yo. Monsieur dit, mission yo, c'est attaquer criminel za yo. Nathan, ça le pral dit. Nathan, parce que, monsieur promet pour le briser gang yo en Haïti. Et là, il y a urgence pour que force la déploye dans le pays d'Haïti. Jeff Canaran, monsieur trop puissant, vivent ensemble. Ces puissants criminels, faut qu'ils rejoignent le monde qui a campé en face. Et tout bagay cérémonie mystique magie n'a fait ses bobines. Gon seul sort qui réservé pour nous. C'est bois calélié. Force la devant marcher près nous pral cacher dans corridor, peuple là même l'a gen mon chali dans mel. C'est pas violence ça y est. C'est légitime défense. Nous gen gros armes n'a tiré avec blanc yo, nous gen les pensées blanc yo pral paraître comme ça. La guette encore on est. On a pensé, oui, nous avons des gros armes, nous allons tirer sur l'hélicoptère, nous descendons l'hélicoptère. La guette encore on est. On prend le temps d'une réponse et on réplique. À partir de ce drame, yon haïtien tué, deux américains lâchement abattus, nous prenons le garder ça qui passe. Il y a un monde qui dit non, pas de doué, information ça, non, je ne pas faire attention de l'information, je dis vérité. On dit vérité. Parce que ça fait longtemps qu'on m'a dénoncé gang ça sous route 9 là. Parce que c'est toute zone pleine qui cadre à gang. On est crété là pleine qu'on a une mitan gang seulement rété, c'est leur rété parmi les gangs. C'est eux décidé, ça dit soit ou pas font rien, c'est eux décidé sous vie. Malheureusement, après bon Dieu c'est eux oui l'a décidé. C'est eux décidé. Ça dit m'pa kat, parce que moun qui dit que on pas de ba information mais moun kap tande nan pleine qui konn vérité li konnen que c'est bon vérité m'a bay li dit ah tété ouais monsieur son nèg kap parler vraiment ça le konnen t'a dit ou même on doit sentir que non pas de dire mais moun kap tande qui konnen vérité a la constaté que m'gen information c'est ça ba lanye donc son réalité kounya c'est pas parce que m'bay on vérité pour que la police nationale comme ça presque effacée pour que les Américains lui-même qui victimes pour pas assumer responsabilité. Et là Joe Biden lui face à destin
Et dossier ça pour aller jusqu'au bout. Parce que là, Joe Biden non période électorale l'a géré. Et pas oublier, c'est petit yon républicain qui a attaqué là, qui c'est Ben Baker, qui c'est proche Donald Trump. Et Donald Trump qui est en parler lui-même, monsieur estime que ça qui passe en Haïti là, son Haïti, son pays qui sans contrôle. Puisque son tête sans contrôle, eh bien, faut gagner réponse qui bail. Attendez bien. Monsieur dit que pays ça, pays d'Haïti, pays à sans contrôle, monsieur voit sympathie le bail famille. Et il dit faut gagner réponse qui bail dans l'immédiat par rapport à ça qui vient là, qui sont zak que personne pas qu'à expliquer ni comprendre ça qui passe là. Et ça te fait, m'a demandé, monsieur Claire ça. Monsieur réagit rapide pour lui dire que missionnaire américain ça OK gang tout hier. Il dit c'est pour bon Dieu béni Devi et Natal ak Nathalie. Monsieur dit une telle tragédie. Haïti son pays qui sans contrôle. Monsieur dit nous devons joindre assassin maintenant. Right now. Monsieur dit faut nous joindre assassin yo dans l'immédiat. Monsieur réagit et ça te fait gagner inspecteur général police Kenya. Qui c'est non, Gabo. C'est monsieur qui pral diriger force multinationale ça qui doit déployer en Haïti. Monsieur déjà sous sol haïtien. Monsieur son nèg qui occupe poste inspecteur général adjoint dans service police administrative dans pays Kenya. Avant nomination ça, monsieur était en tête. Monsieur gagne justement, alors faut me dire monsieur gagne maîtrise en études de gouvernance dans affaire la paix et sécurité. Et monsieur gon baccalauréat en criminologie et pénologie. N'attend monsieur pour nous qui ça le pral bail parce que ça n'a vivre en Haïti. Qu'on est goût dit mon c'est patriote ou c'est nationaliste, nous pas qu'à continuer vivre li encore. Et Joe Biden face à histoire et dossier ça, trois citoyens ça qui tombé, un haïtien, deux américains, Joe Biden gain pleine responsabilité parce que date ça depuis 2021 États-Unis te gen possibilité pour t'aider Haïti sorti en bas griffe bandi sa yo.